connectez-vous d'abord et maximum de partage. On va décortiquer le mensonge de la fille là, le mensonge de Khadija Prezi, Adama. Tanti, on peut faire ça. Le mensonge pareil là. La foutaise que vous n'avez pas fait en Europe, vous pensez que c'est en Guinée que vous allez faire. Ça, vous pensez que c'est en Guinée, vous allez nous foutre de la merde comme ça. Ou bien vous pensez qu'en Guinée, ici, nous, on ne connaît pas des règles. Hein? On ne connaît pas des règles en Guinée, ici. Ma chérie, tu vas Nemnemou, la prison là-bas. Tu comprends ce qu'on dit, Nemnemou. Tu vas Nemnemou, la prison là-bas. Regarde-moi la menteuse de classe comme ça. Ça fait 3 jours, la fille, elle est sur la toile. De faire comprendre aux Guinéens que le boss de Armenti a proposé 3 000 euros pour elle. Les 3 000 euros là, qu'elle a demandé le boss de Armenti de l'aider pour monter son projet. Maintenant, tout à l'heure dans sa vidéo, on a entendu que elle était partie et collaborer avec le monsieur pour faire une publicité pour la société Adama. On peut faire ça. On peut mentir comme ça. Tu penses que les Guinéens ne sont bêtes? Vous avez fait chantage sexuel à le monsieur. Wow. Que le monsieur voulait lui donner 3000 euros pour un seul coup. Un coup. On peut être méchant comme ça. Hein? Société Armenti est là, ça fait combien de jours? Société Armenti est là, ça fait combien d'années? Des années et des années. Société Armenti là, société que nous on connaît ici en Guinée. Vous savez combien ils donnent à les pauvres par jour? Vous ne savez pas. La société là aide énormément nos mamans pauvres, nos papas pauvres, nos soeurs, frères pauvres, ici en Guinée, si vous connaissez pas, si vous avez demandé le boss de vous aider, de monter votre projet à 3 000 euros, et que le patron dit que oui, je peux t'aider pour monter ton projet, mais il faut que tu fasses ça, mais tout à fait normal. Le boss a raison, le patron, le PDG de Armenti, là, il a raison. Le monsieur a parfaitement raison. Comment est-ce possible qu'une belle fille comme toi, qui vit en Europe, qui vit bien en Europe, qui a ses papiers en main, refuse de travailler, venez moi, ici en Afrique, me demander un 30 millions de francs guinéens. Qui est fou? Qui est fou? Si c'était un de nos soeurs pauvres ici dans le pays, là on peut comprendre. On peut comprendre facilement. Mais quelqu'un qui a ses papiers belges, qui vient me demander ici en Afrique 30 millions d'euros, je suis bête, je vais être au Mougou avant de te donner les 3 000 euros là. Vous pensez que nous les Guinéens, nous sommes bêtes quoi? Tanti, iti mutum fegeli namnamu ina dendere na ki idendere na ki. On est tous des Guinéens ici. Oui, elle est dans la voiture avec ses frères, soi-disant on est fier d'être Guinéen. Adama, il faut arrêter d'accuser notre état maintenant. L'état c'est ici, l'état c'est l'esprit. Il faut vous conditionner l'esprit. Il faut vous conditionner ici. Est-ce que quelqu'un vous a dit que vous n'êtes pas Guinéen? On vous a dit ça. On a dit à ta famille qu'ils ne sont pas Guinéens. On est tous des Guinéens ici, tous égaux ici en Guinée. Le problème, ce n'est pas là-bas que non, tu n'es pas Guinéen, tu es Guinéen. S'il vous plaît, la famille, essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Le problème n'est pas là-bas. Vous voyez, non, maintenant, aujourd'hui, vous faites que donner la raison à les mal intentionnés dans ce pays-là. Parce qu'il y a les mal intentionnés dans ce pays-là. Chaque fois, ils disent que oui, c'est les femmes peules qui ont fait comme ça. C'est les femmes peules qui ont fait comme ça. Vous voyez, non?
Vous voyez, non? Comment vous êtes méchants? Comment vous êtes là à salir les femmes peules? Et pourtant, moi, ma grand-mère maternelle, elle est peule. Elle est peule. Quand je dis ma grand-mère maternelle, elle est peule, ça veut dire la marade de ma grand-mère, elle est peule. Je suis avec ses enfants ici. Je suis avec mes oncles peules ici à la maison. Vous voyez, non? Comment vous salir l'image d'une communauté après les mauvaises intentionnées viennent se réjouir dans ça. Soit disant, oui, vous voyez, non? C'est les femmes peules qui ont fait comme ça. C'est les femmes peules qui ont fait comme ça. Essayez de vous respecter. Essayez de vous conditionner. Vous voyez, non, la famille, tout ce qui brille n'est pas or. C'est les personnes en Europe, avant de faire la vidéo, c'est eux qui portent les habits de 50 euros, 100 euros, et pourtant, ils n'ont rien dans leur banque. Ils n'ont rien dans leur banque. Allez-y regarder ces anciennes vidéos en Europe. Peut-être, une arachemise qui rentre en c'est dans les 30 à 40 euros. Ara Sankiri Kirin, c'est dans les 80 à 90 euros. Ara Wonten, c'est dans les 120 à 130 euros. C'est elle qui vient demander 3 000 euros ici en Guinée. Irakais d'Inaï, papier belge d'Inaï. Vous avez le droit de travailler dans l'Union européenne. Pas seulement en Belgique. Si vous ne pouvez pas travailler en Belgique là, mais vous pouvez travailler dans un autre pays. Vous pouvez travailler dans un autre pays. Tout le monde sait qu'en Europe, si tu as tes papiers, le travail là, si tu ne gagnes pas, salaire si tu ne gagnes pas là, tu vas gagner une somme de 2500 euros. 2500 euros équivalent 25 millions de francs guinéens, bombe clotte. Équivalent 25 millions de francs guinéens. Tu es là à demander 3000 euros aux hommes. Tu me demandes 3000 euros, je vais te mougou piang. Je vais te mougouli, bilemon ni mougou. Et pas avec les 3000 euros là, tu penses que c'est un coup. Tu penses que c'est un coup. C'est pas un coup avec les 3000 euros là. Moi je vis en Afrique, toi tu vis en Occident, tu viens me demander 3000 euros. Après c'est dit que, à ce récamé, ni mougou ma hé mougou de bana. Ni mougou ma hé mougou de bana. Des personnes perdues comme ça. Et puis, elle vient avec ses frères mélanger les Guinéens. Soi-disant, ouais, on est fiers d'être Guinéens. Hey, ma chérie, vous êtes Guinéen piang. Mais l'action qui est passée entre vous et monsieur le PDG de Armandi, vous avez expliqué ça. Ça fait 3 jours. Aujourd'hui, vous dites que non, c'est pas ça. N'sigarne, alko, mon publicité là-bas. Hey. Nara na mène PDG là. Publicité. On a la publicité, mais rien à bien à retongouma. A business nan woliere, ou business nan nabama. C'est pourquoi j'aime bien Takana. Takana Zion, wallah. Takana Zion, c'est un messager. Je l'aime tellement bien. Takana, il vous a chanté une musique tout à l'heure qui s'appelle Temene Maronoma. Et t'en a yati beau refirement. Itanan sigeza ma promo raba. Anna yabu, andaru, anna folo, amma damma. Wastafa wa cela c'est aïe. Tu vois non? Maintenant tu as fait la publicité de notre tonton. Notre tonton PDG ici. Tu as fait la publicité de notre tonton. Maintenant à cause de toi, les filles vont s'embarquer. Ce monsieur là. Toute la Guinée est au courant que oui, maintenant, aujourd'hui, oui, le monsieur, il peut donner 30 millions pour un coup. Et pourtant, c'est faux. Vous voyez, non? Vous avez montré aux Guinéens qu'aujourd'hui, le monsieur, il peut donner 3 000 euros à une femme. Hein? Mais comment vous êtes méchants comme ça? Quand on parle, on dit que non, c'est les femmes, on doit les respecter.
une femme qui ne se respecte pas, comment est-ce possible qu'on peut respecter cette femme-là? Hein? Mais ne pas ramener la publicité là-bas. Comme dit son nom, Annie Mané. Oui, bébé, il se fait son nom. Et ça ramène Rogne de ouais, tonton, un coup, 1 million. Parce qu'en Guinée, ici, même si tu es Miss Monde ici en Guinée, nous, on ne va pas te mougou à 1 million. On te mougou à 30 000 francs guinéens ici. La somme de passage, c'est 40 000 francs. Chambre de passage, là, ici en Guinée, c'est 40 000 francs. Et puis climatiser tout, c'est 40 000 francs. Femme, c'est 30 000 francs. C'est toi que moi, je vais te donner 30 millions, pourquoi? Ou bien quand je descends là-bas, je trouve l'or ou bien diamant qui peuvent rembourser mes 30 millions. Mais c'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. Donc, ma chérie, tu pensais que vous pouvez venir foutre les Guinéens dans la merde. Maintenant, la prison là. Tu vas tester la prison, la pignon. C'est pas l'affaire de l'ethnie, ça. C'est pas l'affaire de communauté, ça. C'est pas l'affaire de ouais les Guinéens nana, sosoué nana, maninké nana, foule nana. On est tous des Guinéens. On meurt langue. Mais le fait que vous avez fait chantage de ce monsieur-là, le monsieur qui est humble, qui aide les Guinéens ici en Guinée. Parce que nous, on voit les peuples. Moi, je n'ai jamais connu le monsieur-là. Seulement, j'entends son nom à les Guinéens que oui, le monsieur a fait le don pour moi. Le monsieur m'a donné quoi. Maintenant, c'est vous qui viens s'arrêter devant les médias, les réseaux sociaux, soi-disant que oui, le monsieur voulait me donner 3 000 euros. Nous, on n'a pas besoin que vous mettez sur les réseaux sociaux. Personne n'est parfait ici. Hein? Personne n'est parfait ici. Donc, votre secret de vie, là, il faut garder ça entre vous. Il faut garder votre secret de vie entre vous. Le réseau social n'est rien. Le réseau n'est rien. Il faut garder. Si vous avez gardé réellement le secret là, est-ce que tu allais, on allait t'arrêter comme ça? Hein? C'est parce que tu es bête, ma chérie. Tu es bête. Tu connais pour toi. Toi, tu connais pour toi. Il y a les ministres ici en Guinée, aux Républiques de la Guinée. Il y a les ministres, les directeurs, les hauts commandements ici en Guinée. Ils dorment avec leur téléphone. Ils dorment avec leur téléphone. Nene ra téléphone sur une arabe, il faut que message na mouragre ra téléphone kouy. Quand tu regardes les messages là, tu vas piquer crise cardiaque là-bas sur place, sur le champ. Sur le champ. C'est toi qui viens dénoncer le monsieur qui est humble à cause de 3000 euros. 3000 euros. Et Tangoundi, toi-même, tu peux travailler en Belgique, inafirmerima. Parce que. Ici, tu as tes papiers à Rouenkeu qui Belgique, il 2000 euros sur ton monnaie. Il 2500 euros sur ton monnaie. Il n'y a pas de salaire à Nakoui. Il y a un studio à Nakoui. Il Bruxelles, le studio moins cher, c'est de les 900 euros. C'est de les 900 euros. Il n'y a taxe à Nakoui, 200-250 euros. Au moins, minimum, tu peux avoir quelque chose de 1200 euros dans ta main ou bien 1000 euros dans ta main. Il y a de l'unité, c'est le gaz. Etc. Il y a des gens qui ont 1000 euros. Nous, on est là en train de gérer le problème de Maman Nangaï. Toi aussi, tu es venu rentrer dans la danse comme ça, bêtement. Hein? Toi, tu ne peux pas garder le secret pour toi. Sauf si tu viens sur le réseau social pour convaincre qui? Pour te faire plaire à qui? Bombe clotte! Les Africains, on ne doit pas convaincre les Africains. Les Africains, ils n'ont pas une mentalité voilà, qui est facile. Donc, moi, je suis Africain convaincu. Africain me convaincu, ma chérie.
africain là africain me convainc ma il me fait colon et ma africain n'en convainc pas ouais bah wali soto africain là africain ne convaincra jamais africain convainc sur une seule chose dans la vie c'est la mort c'est la mort c'est fini si c'est pas la mort toi tu passes ta vie ta journée de venir convaincre les Africains ici. Au moins Belgique, on peut comprendre. Les Africains là-bas, les Africains qui sont là-bas, peut-être eux quand même, ils ont changé leur mentalité. Tu pourrais les convaincre. Mais ici, en Guinée, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, on est avec les Wendena. Et tant que vous les go, tant que vous les go, tant que vous les go. Tu vas non? Tu vas. Africain me convainc ma. C'est un grand danger, message privé. Yo, toi, tu veux montrer aux Guinéens que tu es saint. Hein? Personne n'est saint ici, sur cette terre-là. Personne. Personne.